devenir vert. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir les enfants. Les classes d'atelier musical de Saint-Rémy-de-Provence et de Tarascon vont vous présenter un conte musical appelé « Pourquoi les libellules ont le corps si long ?» Strident de la grenouille pour lancer son cocorico claironnant. «
N'avait pas encore terminé sa corvée. Elle pila le manioc, tant et si vite et tant et si fort qu'elle réveilla une grosse libellule.
furieuse, celle-ci se précipita sur la femme et la piqua. De douleur, la villageoise lâcha son pilon. Le pilon renversa une cruche d'eau et l'eau coula dans le trou où dormait le serpent piteux. Le piton prit aussitôt la fuite et bouscula la grenouille qui de peur se mit à coasser. Alors le coq chanta. Et le village tout entier fut réveillé en pleine nuit. Les hommes, les femmes sortaient des cases en ronchonnant. Personne n'avait assez dormi. La mauvaise humeur régnait. Des bagarres éclatèrent. Mais j'ai pas compris. Mais j'ai pas compris. Mais j'ai pas compris. Le chef du village était consterné. Il n'avait jamais connu un tel désordre. Il convoqua le coq. « Ce n'est pas ma faute, chef. Si j'ai chanté, c'est parce que j'ai entendu la grenouille coasser. » Le chef convoqua alors la grenouille. « C'est à cause du serpent. J'ai eu si peur, il m'a attaqué. » La jeune villageoise s'avança à son tour. « Chef, je n'ai pas voulu chasser le serpent de chez lui, mais j'ai été piquée par la libellule. J'ai fait tomber mon pilon et ma cruche s'est renversée. » Le chef s'adressa donc à la libellule. « Tu as mis tout le village sans dessus-dessous. Pour cela, tu iras en prison. » « Mais chef !» La libellule fut donc emmenée en prison. On l'enferma dans un cachot sombre et humide, puis on l'enchaîna. La pauvre bête se débattait, elle ne rêvait que d'une chose, retrouver sa liberté. Elle tira, 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 tant que tout son corps s'allongea. Yeah.
dit-on, que les libellules ont le corps si long. Ça va beaucoup.